Salut l'émeute, c'est Raph. Salut Monsieur, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Je tape un coup dans mes mains, parce que j'avais oublié, voilà, ça me fera un petit truc. Voilà, donc Jules et moi, on est au micro, elle va spectate, et on va continuer à parler pendant les parties. Ce coup-ci, on le fait avec des membres de la meute, avec une compo un petit peu plus sympa. Donc 5 simples villageois, une voyante, une sorcière, un chasseur, un dictateur, 3 loups-garous. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est une compo qui me plaît, ça. Bah oui, c'est mieux, Ça, hein. c'est stylé. Raph, tu devrais faire MJ, hein. Ah, Incroyable. Franchement, je pense que je ferais un bon MJ. Je ferais pas trop mal me débrouiller en MJ. Donc là, on ouais, a bah, 8, 8 essaye un jour. personnes. Hein. Franchement, c'est plutôt cool. J'ai vu Raph, j'ai fait yes. On manque de motivé quand même, hein. Yes, vous êtes que 7. 8. J'ai presque envie de faire un appel sur Facebook, tu sais. Bon. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que si tu fais une partie en fait avec qui est pas full rôle spéciaux et qu'en plus tu joues en partie sérieuse, déjà quand t'es en partie sérieuse, t'es sur le deuxième onglet donc t'es moins visible. Et en plus de ça, genre. Ah, ça monte là, non? Ouais, on est passé à 9, ouais, mais il va voir la compo et. Ah, c'est bon là. Pas mal la compo, ouais, là c'est bon, on est assez. Maintenant, faut qu'il y ait personne qui quitte. C'est pas impossible qu'il y ait des mecs qui quittent, hein, ceux qui viennent. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, on est quoi? On n'est pas loup-garou ce coup-ci, on est simple villageois. Ok, intéressant. Bonne chance. Aïe aïe aïe. Alors, une règle principale que j'ai à vous donner, étant donné que je suis un joueur de Pokémon à la base, et que dans Pokémon la chance joue beaucoup et vaut mieux qu'elle soit de notre côté, on dit pas bonne chance, on dit genre have fun, amuse-toi bien, donne-toi à fond. Enfin, on lui souhaite quelque chose de bon, mais pas de la chance. On lui souhaite pas la victoire non plus. On souhaite bon courage à Ah la oui. limite, quand on Ah est ouais. prétentieux. Mais bonne chance, non. Par principe, faut pas le faire. Déjà, ça montre une forme d'hypocrisie parce qu'on veut absolument pas que notre adversaire ait de la chance. Oui, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Bon, Donc là, les c'est loups-garous. gentil. C'est gentil, tout ça. Là, les loups-garous sont quand même en minorité. Ouais, je vais aller voir la compo. Ok, 3 lots sur 12 joueurs. Ça fait pas beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas trop de rôles qui peuvent vraiment les détecter. Donc, tout Moi, je va jouer pars un peu du dans. principe aussi qu'en ligne, les loups-garous sont avantagés de base. Ouais, il y a moyen. Oui, mais en plus, il y a un mort direct. Voilà. Bah, rip, super cool. Franchement, la mort tour 1, c'est Ouais, vraiment pas en bien. fait, c'est ça, c'est genre, en fait, il faudrait que le mode sérieux enclenche des règles différentes du mode pas sérieux. Parce que, en fait, à part juste un disclaimer, attention, c'est pas bien, bah, au final, il se passe rien de plus, quoi. Je suis même pas sûr que les reports, ils aient le temps de les traiter. Si, y a moyen. Bah, j'en sais rien, Y a je sais des pas. gens sur le serveur qui disaient qu'ils s'étaient fait ban plusieurs fois. Ah, bon, ça va. Bon, alors, tu peux pas jouer longtemps, chacun quand tu. Ouais. Bon. Stop parler du mort. Go trouver un LG. Il y en a des images de tractopelle. Mais il n'y a pas de loup bavard en fait. Le mec avec son skin de Kinder, il me fait trop triper dans le sens négatif du terme. À chaque fois, j'ai envie de le tuer. Y a Golden Senior qui a dit Ouais. RIP vraiment super tard. Ah, Voilà, j'avoue. c'est une observation comme une autre. J'avoue, j'avoue. Mais je trouve ça giga tard en fait, genre en mode qu'est-ce que je vais dire, je sais pas trop. Allez, t'as suivi, clipé super tard,
ça fait moutonnage de loup-garou. Tu tires pour premier Allez! kick. Ah. J'espère que c'est pas la voyante! J'ai trop peur, ça qui est horrible. On est villageois. Bon, Par contre, pas si celle qui a accusé en premier, du coup. Bon, précédente partie, c'était toujours un loup qui a accusé en premier, vu que c'était toi qui a accusé en premier. Mais bon, à voir. pas si attaquer en premier parce que j'ai pas eu le temps de m'attaquer en premier. Mais sinon, j'aurais attaqué en premier. Yes! Yes, ça suit, ça suit. Ça suit un peu. Ça suit, ça retire. Toto. Toto. Pourquoi t'es indécis? Pas si elle a retiré en disant ça ira pour l'instant. Ouais. Je sais pas si ça fait loup ou innocent, je suis assez perplexe. On se base sur quand quelqu'un a tiré. Bah ouais, la prochaine fois, on va voir. Est-ce qu'il se défend au moins? Il se défend même pas. Bref. Ok. Bah ouais, mais c'est pas un loup-garou alors. Il a le seum, mais bon. Ok. Joueur avec rage. Qui a suivi Seven? Joueur avec rage, ouais, je suis d'accord. Oh! Oh! Yeah! C'est incroyable! Je suis grave contente! Génial. Ah, tu vois, ouais, t'as bien joué sur le RIP en dernier, c'est très, très bien trouvé. Et ben. Joueur avec rage, du coup, Mais du coup, il rageait et c'était un loup. Et joueur avec rage qui disait mais pas loup-garou et qui vote à contre-temps. Ouais, bon. En vrai, je sais pas. Hein. Joueur avec rage qui vote en contre-temps, qui est l'innocente. Ouais, c'est bizarre, il a dit l'abandon du loup-garou. Alors, enfin, Ouais. il est parti du principe qu'il était loup-garou. Bah, c'est ça. C'est ça le Ouais. truc. C'est ça, hein. On est d'accord. On est d'accord. Oh, personne n'est mort. Ça, c'est une bonne soso. C'est la soso qui t'a sauvé, peut-être, Raph. Bah peut-être, hein. Ah, j'ai un autre Alger, let's go. Je vais devenir le bouc émissaire des loups-garous. Bah ok, ça sert à rien de te voter alors. Ah, en fait, en devenant maire, voilà, il se propose pour être bouc émissaire. Je pense que c'était un peu ça Ouais, l'idée. peut-être. Vas-y, Si tu es t'es. youtubeur. Vas-y, t'es Sonic, je te suis dans ton call. Voilà là, 10 votes sur toi, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de Wolfie. Alors, je vais voter contre machin. Maintenant, c'est qui ton loup? Vote en contre-temps. Ça fait que la cible des votes était G. Maintenant, essaye de me mettre dans sa poche. Hop là, loup-garou. Saône, pourquoi Saône? Faut le dévoter, comment ça faut le dévoter? Il a défendu son pote loup. Bah non, mais il pouvait pas le dévoter en fait. Oui, ça a pas de sens, il était un V7. Je te fais confessionner, je pense vraiment que Saône est loup-garou, bah peut-être hein. Allez! Incroyable! Et Bon, c'est on là arrête que de jouer ensemble, Raph, on est un peu trop fort, hein. Mais c'est là que tu vois quand t'as pas des rôles qui partent dans tous les sens et que tu maîtrises un peu ta partie tout de suite bien jouer, ça demande plus d'attention quoi. Ouais. Alors il C'est parle de trop bien, en plus on est dévoter. simple villageois, Raph. Bah ouais. Du coup je vais essayer de combiner les deux. Alors Seven, Glee, Saune, Passy. Ok. Tu vas mourir Fed, cette nuit, Passy. Raph. Moi Je pense que tu vas mourir cette nuit. je pense que Passy et ou Gigi. Passy ou Gigi loup-garou. La sorcière essaie de tuer un des deux. Oh, le chasseur Passy. va faire son choix. Allez. Tu proposes Passy. Passy? Ah. Oh, c'est dommage. En vrai, il Yeah. reste un loup, il aurait dû tenter. Oui. C'est très bizarre, c'est nul, c'est nul.
C'est dommage, très dommage. J'ai justifié tous mes votes. J'essaie de lancer l'action. Quel chasseur mature? Bah c'est un chasseur. Non, franchement, il reste un loup. Bah Guigui dans ce cas, non? Il fallait vraiment essayer de tuer, hein, même quitte à tuer la voyante, on s'en fiche en fait. Ouais, je sais. Oh, alors, attends. Dommage. Ou alors, je sais pas. Franchement, j'ai vraiment du mal à me décider sur qui peut être loup sur les derniers. C'est quand tu trouves tout le monde. Seven Xen. D'affilée et là t'as plus rien. Tu dis bon, on revient. Ah, de zéro. Seven Xen, c'est bon. Seven Xen, tac tac tac, il est où Seven? Ah, mais il est mort. Putain, fichier, c'est pas lui. Suivons ton move. J'ai suivi ton move. Passy, def, passy, je te fais confiance. Donc j'ai suivi ton move, Taizé Sonic. Je peux pas dire plus. Ce soit à sauver Taizé Sonic, ça je le sais. Les devs sont abstraites. Ouais, mais ça suit trop en fait. Je sais pas, enfin le coup de je te suis. Après, le problème c'est que c'est vrai que vu qu'on lead la partie depuis le début, il y a moyen qu'il y ait beaucoup de villageois qui nous suivent aussi. Alors, je vais arrêter de parler parce que les morts ont dit le nom du dernier loup, du coup je me tais. Ok, pas de soucis. Mais je comprends pas pourquoi je vois le chat. Enfin, le chat des morts, c'est pas normal. Du coup, je connais. Enfin. Avec un autre compte, en spectateur, tu pourrais vraiment voir le chat des morts et tomber sur ce genre d'info. Bah, clairement. C'est pas normal. Ok, c'est Toto qui a de l'info. Bah, vas-y, Toto. Ok. Je vais tenter un truc. Ah. Ah yeah. Mat, regardons ses votes. Mat. Ah, un contre-temps sur Mat, ouais, pourquoi pas. Mat n'a pas voté, il a parti de notre numéro. Ok. Ok, bah je tente un truc, de toute façon on arrive en fin de journée. Et Toto qui attaque. Ok, pourquoi bah, pas. Faut bien attaquer, hein. On a de la marge, de toute façon. Hein. Et mais Guigui, franchement, il en fait trop. Enfin, en vrai. Ah putain. Dommage. Je sais que t'es fort, donc ouais, je sais pas. En vrai, c'est un peu trop chaud, il y en a deux qui parlent pas beaucoup en plus. Oh, dans le chat des morts, il y a quelqu'un qui a dit enfin, du coup que toi, t'étais sûrement voyante. Eh bien non. Ça, c'est jouissif, ça, quand t'es simple villageois et que les gens pensent que t'es la voyante. Oui, parce qu'à voyante, elle est encore vivante en plus. Et Toto, ah bah non, t'as parlé un peu trop vite, Raph. Toto, il a tapé qui? Le jour se lève sans Toto la voyante. Ouais. Toto savait pas. Toto, il savait pas, donc Toto. Il n'a pas accusé Guigui. Pourquoi il n'a pas accusé Guigui? C'est embêtant, ça. Il nous reste qui? Il nous reste la sorcière. La sorcière. Je sais plus si elle a sa potion. La sorcière. Elle avait utilisé sa potion, la sorcière, tu crois? Oui, elle a sauvé. Non, la potion de mort. Oui. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a un matin. Ouais, mais je le vois. Un simple villageois et un chasseur est mort. Attends, j'attends de voir comment ça. Ça. Il y a des gens qui osent te remettre en doute. Ouais. J'attends de voir ce que ça donne. Ça me parle pas du tout. Non, mais je fais exprès de laisser passer le truc. Moi. J'attends encore quelques dizaines de secondes. Il aurait pas sacrifié de loup-garou, je pense. Ça, c'est bien joué, bien répondu. Donc, P.O.B., je le pense pas loup, à moins vraiment qu'il. À moins vraiment qu'il fasse genre. Il a participé au dernier tour, c'est bien.
Bubli 04, en vrai, vu que je sais pas trop, j'essaie d'éliminer les options. J'aurais tendance à penser Guigui ou Passy, toujours. Passy a été le premier à accuser, donc c'est ce qui me fait penser plus Guigui coupable. Super compliqué. Possible, mais ça fait trop. Possible en vrai, possible, mais ça fait trop. Serait pour moi de rien dire. Hein. Non, t'inquiète pas. Une fois mère, il serait pas allé sur le second. Ok, bon. Faut choisir. En vrai, il faut choisir un mec, hein. Trop suiveur. Allô, je lance une accuse. Bon, je sais pas du tout. En vrai, là, je suis un petit peu. Mais ça protestait vos réactions. Ouais. Et ça pense Bubli. De toute façon, il n'y a plus qu'un seul loup-garou, donc. J'ai utilisé mon pouvoir. La dévo, c'est pas bien. Ok, j'ai été inno par la vovo au cas où. J'ai été inno par la vovo au cas où. En effet. Ah, en effet. En effet. La voyante à Ino. Ah, putain. Et ça se trouve, c'est pas si. Attends. 2 secondes. Je sais pas, je sens AFK. Tac, tac, tac. GG. Deux safe. Deux safe. Ouais. Non. Bon, pourquoi pas. J'arrive pas à trouver l'endroit où il y a eu cette. Ok. Et c'est super chaud. Hein. Ouais. Alors attends, je reprends les premiers votes. Là, j'ai Passy et Pob. Pob qui revient plus tard. Pob qui me vote en dernier. Sur le dernier call, Pob et Passy sont à peu près en même temps. Sur le dernier machin, il n'y a pas eu de. Pob et Passy ont pas voté. Ensuite, Passy a attaqué, Pob a suivi. Ah oh, putain. Et c'est super chaud. C'est super chaud, mais en même temps. J'hésite entre les deux. J'hésite vraiment entre les deux. En vrai, j'ai envie de. J'avais innocenté Pob tout à l'heure, je sais plus pourquoi. Pour une de ses réactions. Et parce qu'il m'a innocenté. Alors que Passy, lui. Je t'accusais un peu partout, c'était ta dernière chance, t'étais solo, et là t'accuses personne. En vrai. Passy, il a tenté une entourloupe pour essayer de. Il a utilisé l'humour pour essayer de lancer une accusation sur moi. L'autre m'a totalement innocenté en disant c'est pas possible. Il aurait pas sacrifié de loup-garou. Et si Pob est loup-garou, il a très bien joué son coup. Et si Passy est loup-garou et que je le vote pas, je m'en voudrais toute ma vie. Ta tentative de m'accuser par humour le tour suivant, ça passe. Pas avec moi, les scènes. On va voir là. Hein. Peut-être, mais bon. Alors, on va voir. Hein. Je vais tester les réactions des autres. Mais comment tu peux avoir un doute sur moi? Si à 2 secondes, si à, en vrai, si à 2 secondes il a pas choisi, je vote sur Pop parce que on peut pas. Ah non, si, c'est moi qui choisis. Bon, moi c'est moi qui choisis, je suis meilleur. Allez.
Ah, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. En vrai, que Pob ait pas voté alors qu'il est villageois, je trouve ça vachement louche. Facile à essayer de faire bouger l'action, mais en même temps, Pob, il a l'air complètement perdu. Bon, allez, je. On verra. Yes! Yes! Oui, Ouais, en fait, il parlait jamais. il n'osait pas accuser, il n'a pas osé tuer la nuit non plus. Je pense que Pasti, vu comment il parlait, il aurait jamais hésité à tuer la nuit aussi. Bon, après, moi je suis biaisée parce que je connaissais déjà qui était le loup du coup. Mais Yes! Oh, punaise. Fier de toi, Raph! Merci, merci.